hommes du RAID ou du GUGN, Étienne? Oui, cette salle du Bataclan, elle est donc située dans le 11e arrondissement de Paris, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la capitale. Donc, elle est prise dans les immeubles, hein, c'est compliqué. Absolument, hein. C'est une salle qui n'est pas très grande, hein, c'est une salle qui doit pouvoir contenir quelques centaines de personnes, mais qui n'est pas une salle de concert comme par exemple celle du Zénith ou celle de Bercy. C'est une salle beaucoup plus modeste, elle est située au coin du boulevard Voltaire et de la rue Oberkampf, et on voit là les policiers qui visiblement se préparent à éventuellement donner un assaut. Ils sont en position, ces images évidemment nous en rappellent d'autres terribles, celles du mois de janvier, des policiers lourdement armés, casqués avec des gilets pare-balles, et on voit des gens qui sortent, semble-t-il, je ne pense pas qu'ils sortent directement du Bataclan, mais d'une sortie des bars annexes, voilà, de gens fréquentés en fin de semaine dans ce quartier de Paris. Voilà. Ils ont fait évacuer tout autour. Et des gens à qui on demande de mettre les mains sur la tête pour ne prendre absolument aucun risque. Alors Étienne, vous parliez